De la houle en baisse et du vent offshore modéré ce matin sur la Canoë. Bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps qui est dégagé, une température extérieure à 16 degrés, une température de l'eau à 13, à peine 14 degrés. Cet après-midi, un temps variable, une température à 21. La marée est actuellement en train de finir de monter. Le plan eau est à 8h50 avec des coefficients de 60. Sur cette fin du montant, le vent s'est relevé offshore, mais tout à l'heure, il était tombé. Là, il est nord-est. Modéré, il y a deux beaux-forts établis à peine 3 sous les rafales, le plan d'eau est ridé au bord, un peu de clapot sur le large, les phases de vagues sont lisses, là où les molles copèquent, moins qu'hier, mais elle le revient là, avec le vent qui est nord-est modéré. C'est une houle longue de 11 secondes de période, orientée ouest-nord-ouest à nord-ouest, qui est sur un mouvement à la baisse, relevé sur la boue Arcachon-Gascogne à 2h du mat, à 1m70 et 7 secondes, ce qui donne en termes de taille de vagues ce matin à la Canoë, du 80 cm en déferlement régulier, 1 mètre sur les séries qui rentrent fréquemment, 1 mètre sur les grossettes. La barre est facile à franchir, il y a des belles zones de contournement, les vagues sont moyennement sélectives à réserver pour des surfeurs intermédiaires. Il y a un petit peu de mandale ou une dizaine, une quinzaine de personnes à l'eau sur les meilleurs spots. Il y a des bouts à attraper, mais c'est pas fou. Des vagues qui sont à hauteur d'épaule, un peu molles sur le large, un peu plus creuses au bord, mais moins creuses que ce matin au premier check. Il y a quelques bouts, de ci, de là, c'est pas fou, ça vaut la moyenne, 2,5 sur 5. Vous voyez là, on voit bien le vent de nord-est qui s'est relevé. Et donc les vagues, elles sont multipiques. Et puis là, c'est les vagues au bord qui sont mi-creuses, mi-molles, quoi. Bon, il y a des bouts à attraper, hein. Il y a quand même de quoi glisser hein, sur les meilleurs bancs, mais c'est pas incroyable. Donc voilà, ça surfe un petit peu partout. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir à la mi-journée et cet après-midi. Au dernier check, la bouée Arcachon-Gascogne était à la hausse à 1,90 m et 9 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au nord-est à la mi-journée et hésiter cet après-midi entre le nord et le nord-nord-est en se renforçant en plus. Donc les prévisions à 13h, c'est à la hausse 1,20 m ou ouest-nord-ouest à nord-ouest avec 12 secondes de période vent de nord-est à 3 beauforts. Et à 17h, 1m20, 1m50, ou ouest-nord-ouest à nord-ouest, qui prend de la période, 13 secondes de période, avec un vent de nord 3 à 4 beaufort. Le meilleur créneau, c'est sur la première partie de journée. Marée haute ce matin sur les spots de marée haute. À la mi-journée, peut-être qu'il y aura des vagues au bord un peu plus creuses et un peu plus favorables, ou alors sur le large. Et puis cet après-midi, c'est à surveiller comment ça va évoluer. Ça va hésiter entre le vent de nord et le nord-nord-est. Mais bon, ça devrait être quand même plus agité. Le meilleur créneau, il est sur la première partie de journée. Et voilà. Et le prochain point, il est quand? Il est à 11h.